Et salut tout le monde, c'est Squalize. On se retrouve pour un achat hebdo, donc le 12e. Voilà, on va commencer. C'est que des achats que j'ai fait pendant mon voyage, pendant ma semaine en France. Donc, pas voilà, parce que je suis retourné en métropole pendant les vacances de février, voir ma famille, mes potes, tout ça. Et j'en ai profité pour acheter des petites choses, dont 4 jeux, enfin, 3 jeux, tout comme ça, quoi. Et donc voilà, on va commencer tout de suite par une enceinte, parce que j'avais envie d'acheter une enceinte pour le lycée avec mes potes. Donc voilà, une petite enceinte JBL. Sympa, je l'ai payé 30 balles alors qu'en Martinique ça doit être 50-55 euros. Donc voilà, et qui fait du très bon son, donc je vous la conseille fortement sans déconner. Donc voilà, la boîte est autre part, mais j'ai la flemme de vous la montrer. J'ai aussi acheté deux jeux que je voyais tout le temps en Martinique à 25 balles, et donc j'ai été à Game et je vois 15 balles les deux, enfin 15 balles chacun. Mais vu que c'était les soldes, en fait, c'était la période solde, si on achetait un jeu, on avait l'autre à moitié prix. Du coup, ça m'a fait à peu près. Donc, j'ai payé 22 euros. Donc, ça fait 11 euros chaque jeu. Donc, ça fait presque 10 balles, quoi. Donc, voilà, très content. Voilà, 10 balles chacun. Assez content. Alors que ici, je les aurais payé 50 balles. Ensuite, donc voilà, j'ai retrouvé ça. C'est pas vraiment un de mes achats. Mais bon, j'avais ça dans mes DVD chez moi. Parce que j'ai encore ma maison en France. Donc, Mr. Bean, voilà, les vacances de Mr. Bean. J'ai regardé ça avec mon pote. Voilà, parce que j'avais pas internet. Du coup, j'allais au McDo pour télécharger des films. Et je me suis dit, tiens, on va se mater ça. C'est assez sympa. Et encore un jeu que j'ai vu à Micromania. Je regardais les petits jeux, tout ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Un jeu Xbox One en plus, que j'avais pas. 9 sous blister. Blister officiel à 6,99€. Evolve, voilà. Donc j'étais obligé de l'acheter, limite. Tu vois, je me suis dit, bah voilà, un jeu Xbox One à 7€. Même si c'est Evolve qui est pas cher. Voilà quoi. Voilà quoi. Alors qu'en Martinique, il est encore à 15 balles d'occasion, tout bousillé. Bon, j'en rajoute un peu, mais c'est presque ça. Donc voilà, content. Putain, ça fait que 2 minutes de vidéo là. Putain, je vais voir, je vais vite aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai rien d'autre à rajouter. Hein. Je l'ai pas encore testé celui-là. Bah voilà, vu qu'il est encore sous blister. Je vais le déblister puis je vais y jouer bientôt. J'ai terminé le One Piece Unlimited World Red. Je vais en parler des jeux parce que j'ai vu que j'étais vachement vite. J'ai terminé, donc un bon jeu, ça va. Très sympa même à jouer là encore. C'est comme les Unlimited World sur 3DS que j'avais fait à l'époque. Mais c'est un peu moins poussé sur la pêche, un peu moins poussé. Alors moi j'aimais bien justement pêcher, attraper des bestioles, tout ça. Là j'ai pas vu énormément de bestioles, tout ça. Mais c'est quand même un très bon jeu, hein. J'ai beaucoup aimé. Et l'autre jeu que j'ai acheté, One Piece Pirate Warriors 2, je ne l'ai pas fini, je suis en train de le faire. Et j'ai terminé Pirate Warriors 1 avant les vacances, et donc là je suis en train de me faire le 2. Bah tout à l'heure j'étais en train d'y jouer, quoi. Et après je me taperai Evol. Ah oui, ensuite, bon, c'est pareil, c'est pas des achats, j'ai retrouvé ça dans un de mes tiroirs de ma chambre en France, parce que j'ai plus de Xbox Live Gold et ça me fait chier de payer 30 balles. Donc là, je vais pas vous montrer le code, mais j'ai 14 jours gratuits d'essai, que ça j'ai eu dans ma Xbox One. J'ai 14 jours, là j'ai 3 jours d'essai, ils sont pas utilisés bien sûr, sinon je vous aurais pas emmené, et 2 jours. Donc ça me fait un total de 14 et 3, 17, ça me fait 19 jours de live, donc c'est sympa, si j'ai envie de jouer avec des potes, voilà, hop, je vois ça, et en attendant que j'achète. Normalement j'en avais d'autres, mais j'ai pas trouvé les autres, donc et j'avais un peu autre chose à faire. Je me suis aussi acheté pour le lycée une batterie portative, donc je l'ai acheté 10 euros. Il fait un peu sombre dans la vidéo, je suis désolé. Mais bon, vous voyez quand même. 10 euros, c'est pareil, c'est pour. Ouais, voilà, c'est mieux. C'est un peu mieux. Ah, parfait, là, impeccable. Merci à l'éclaireur. Donc, c'est Reaper qui est derrière, hein, si vous avez vu ma vidéo sur les tags Dragon Ball. Donc, voilà. Vraiment bien, 10 balles. Pour le lycée, parce que je joue avec mes potes sur mon téléphone, du coup, la batterie part vite. Et hop, je prends ma batterie portative et c'est parti. Ensuite, ah oui, j'ai aussi acheté deux livres pour pas me faire chier dans le train. Donc un livre sympa et bah même deux livres sont sympas, on peut le dire. Hein. Donc voilà. Ah putain, je peux pas vous le montrer plus en détail, voilà. Donc il s'agit. Bah attendez, je vais me lever. Voilà. Donc il s'agit d'un livre pour créer son application Android, hein, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit que ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai lu ça dans le train, tranquillou. Mais dans l'avion, parce que ça me faisait un peu chier. Se taper 8h50 d'avion, bon.
qu'on c'est bien de regarder. J'avais des films, hein. Je me suis maté au moins 5 films, mais bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Donc voilà, c'est sympa. Je vais faire ma petite application sûrement. Ça, c'est un projet plus tard. Et un deuxième, donc j'ai payé 12,90 celui-là. Enfin, c'est pas moi qui ai payé, c'est ma mère, mais voilà. Et un autre livre, donc il s'agit de Retro Gamer Collection Volume 4, le guide ultime des classiques du jeu vidéo. Donc voilà, j'avais envie d'un peu de m'instruire niveau rétro gaming, même si je suis pas trop. Je suis pas un rétro gamer, mais pas du tout même. Voilà, j'aime bien savoir, donc c'est pas mal, c'est pas que du rétro gaming, c'est aussi tout en couleur, bien évidemment. Même si c'est un truc souple, ça fait un peu bas de gamme, c'est quand même du bon. Attendez, je me lève parce que ça me casse les couilles. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est le guide du joueur DOS, je sais pas quoi. Voilà, vous voyez, c'est au début. Oh putain, la gueule qu'il a lui. Oh putain, il est pas beau. Donc voilà, vous voyez, voilà, c'est un jeu. Il présente un jeu, la Burger Time, qui a l'air sympa ou je sais pas quoi. Donc ouais, c'est sympa, j'ai bien lu ça, je me suis tapé en. Il a beaucoup de. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps sur ce livre, au moins 2-3 heures, enfin tout le train quoi en fait, j'ai eu 3 heures de train, et pendant les 3 heures, enfin j'ai lu tout ça du début à la fin. Donc voilà, sympa. Donc on se replace, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je crois. Voilà, j'ai quelques petits achats, hein. J'essaierai d'en faire à peu près toutes les semaines. Même si j'ai deux jeux à montrer, je montrerai ces deux jeux-là. Hein, donc voilà, donc là je suis assis actuellement sur le livre, comme un connard. Voilà. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine pour un nouvel achat hebdo. Salut tout le monde!